Salut tout le monde qui coupe l'op, c'est Natman. Nous nous retrouvons enfin et de nouveau pour cette seconde phase de la chaîne avec Resident Evil. C'est un jeu à côté duquel je pouvais pas passer. Alors déjà cet écran titre restant définitivement muet, je vais vous passer une petite musique qui n'a pas forcément grand chose à voir, désolé, mais c'est juste pour meubler. Et si je passe constamment de nouvelles parties à charge des parties, c'est simplement pour éviter que le jeu ne me renvoie encore et encore la séquence d'intro. Resident Evil. Donc je pouvais pas passer à côté, hein, dans la mesure où c'est un jeu vraiment que tout le monde connaît maintenant, qui a vraiment participé à lancer le survival horror dans le monde du jeu vidéo. Et qui est aussi, bien sûr, l'inventeur du terme survival horror. Donc Resident Evil, c'est un jeu sorti en 1996, développé par Capcom et édité par Virgin Interactive en Europe. Le jeu est sorti sur PlayStation, puis plus tard sur Saturn et PC. Et donc c'est un jeu donc voilà, très important que j'avais envie de faire. Hein. De toute façon, il fallait bien que je le fasse un jour, donc pourquoi pas maintenant. Donc j'entame ce jeu pour débuter la seconde phase de la chaîne qui correspond simplement à un renouvellement des licences hein, puisque je change un peu des jeux auxquels je jouais, tout ce qui était Penumbra, Amnesia, etc. Donc maintenant on va passer à autre chose comme vous avez probablement comme vous l'avez probablement vu dans ma dernière vidéo. Resident Evil, qu'est-ce que c'est? Donc à la base, Resident Evil est censé être une suite, hein, puisque tout a commencé lorsque Shinji Mikami, le grand Shinji Mikami que vous connaissez certainement, également à l'origine de Resident Evil 4, qui a bossé sur Shadows of the Damned, qui est le créateur de Vanquish également, s'ennuyait un peu au sein des studios de Capcom, et donc il a demandé à Capcom d'avoir un projet un peu plus stimulant. Et donc Capcom lui a à ce moment-là confié le développement d'une suite pour un jeu qui était déjà sorti en 1989, nommé Sweet Home, qui est également l'adaptation d'un film japonais, d'horreur japonais, sorti la même année. Donc Sweet Home donc, était un jeu d'aventure horrifique, RPG un peu, donc Shinji Mikami a été lancé sur la suite. Mikami a par la suite changé radicalement un peu le genre, hein, en essayant de développer un truc à la première personne. Le fait est que le jeu faisait pas peur, donc il s'est inspiré du jeu que tout le monde connaît également, du bon vieux français Frédéric Reynal, Alone in the Dark, sorti en 92, 4 ans plus tôt. En prenant un peu ces aspects, cet aspect de vue à la troisième personne avec des plans de caméra fixe pour créer la peur. Donc Mikami cherche un nom, alors un nom qui marque, capable de marquer les esprits, un nom court. Un des membres de l'équipe propose Biohazard. Le problème est que le studio est confronté à des problèmes de droit aux États-Unis, puisqu'il y a déjà un groupe hein, de punk metal qui porte le même nom. Finalement, ils prennent comme nom Resident Evil, donc Resident, voilà, Resident Evil, donc le mal résident, tout simplement, puisque le jeu, comme vous le savez certainement, se déroule dans un manoir, un peu à l'image d'ailleurs du lieu dans lequel se déroulait Sweet Home. Le studio choisit Resident Evil pour les États-Unis et garde ce même nom qui est devenu une valeur sûre pour l'Europe. Non, Resident Evil est un grand jeu puisque c'est lui qui a permis de démocratiser en quelque sorte le genre du survival horror. Hein. Le premier survival horror étant Alone in the Dark, comme je l'ai dit, du moins considéré comme le premier survival horror. Resident Evil, lui, invente le terme survival horror et va finalement être une source d'inspiration, une grosse source d'inspiration pour beaucoup de jeux qui vont suivre. Puisqu'on aura à partir de la sortie de Resident Evil tout un pléthore de jeux à la troisième personne, plus ou moins horrifiques, qui vont reprendre justement les principes du survival horror, à savoir donc la vue à la troisième personne, survivre dans un monde horrifique avec des munitions au compte-gouttes,
et une santé, une barre de vie qui se vide assez rapidement. Enfin bref, donc tous les éléments basiques du survival horror vont être lancés par Resident Evil, qui lui-même se sera inspiré de l'Alone in the Dark. Donc sans plus attendre, on va commencer une nouvelle partie. Alors c'est un jeu que j'ai fait il y a longtemps, très longtemps, enfin que j'ai fait. J'y ai joué il y a très longtemps avec l'Action Replay à l'époque, hein, j'étais gosse, hein, je m'en foutais honnêtement des jeux de ce genre là, ça m'intéressait pas. Donc on va refaire une nouvelle partie, donc je me souviens absolument plus de ce qui se passe dans ce jeu. La maniabilité va être absolument immonde, les graphismes vont piquer les yeux, mais bon, je pense que maintenant que j'ai démarré le jeu, autant y aller. Alors j'ai très envie de prendre en entraînement, en difficulté, parce que... bah voilà quoi, hein, le jeu se fait vieux, puis j'ai pas envie de passer 10 ans dessus. Mais bon, de toute façon, moi il faut que je le fasse absolument, parce que c'est vraiment LE jeu qui a lancé le survival horror. Donc ce que je vais faire, je vais prendre standard, tout simplement. Avec le bon vieux écran titre, avec le petit flash là. D'ailleurs vous aurez probablement remarqué que je me suis inspiré de ça pour mon introduction. Alors je sais pas qui prendre, Jill Valentine ou Chris Redfield. Sachant qu'avec Jill, le jeu est plus facile, mais la nana crève en deux temps de trois mouvements. Avec Chris, le jeu est un peu plus dur, on commence seulement avec le couteau, il a deux cases d'inventaire en moins, mais il est beaucoup plus résistant. Donc je sais pas quoi faire, donc je pense que je vais prendre Jill, hein, parce que c'est une nana et que j'aime bien les filles. Donc on va prendre Jill Valentine. Alors, petite chose, donc je sais plus si je l'ai dit, je me souviens plus. C'est pas la première version de Resident Evil à laquelle je joue là. Que je joue d'ailleurs sur émulateur, hein, pour une, comme vous pouvez le constater, pour une, avoir une meilleure qualité au niveau de l'enregistrement. C'est la version Director's Cut là, que j'utilise, qui est sortie pas en 96 mais en 97, et qui donc est différente de la première version, notamment au niveau de la censure, puisque la première version était censurée, notamment les cinématiques d'intro, hein, qui étaient en noir et blanc, et avec des scènes coupées. Et le jeu également... en Director's Cut, à des scènes supplémentaires et 2-3 bonus en plus. Donc voilà, comme c'est sur émulateur, il y aura très certainement des bugs graphiques, mais j'espère qu'il n'y aura pas de quoi, entacher, enrayer le plaisir de jeu et surtout le plaisir de visionnage pour vous. Donc je prends Jill Valentine, code number 0823, avec une signature magnifiquement pixelisée. Allez, c'est parti, on entame, let's go! Oh, ça commence avec des bugs de son, magnifique! Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey!
Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Oh putain, cette intro est kitsch à mort, quoi. Ah, elle m'a tué, quoi. Ah non, mais elle est tellement célèbre. What is this? Wow. What a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! Les bons vieux chargements entre les zones. Putain, comme je redoutais ces moments-là sur PS1. Puis ce bruit d'horloge là. A dining room. Voilà, enfin bref. Donc l'intro est magnifique, hein, elle est devenue culte hein, depuis le temps. Mais c'est incroyable quand même comment... Comment elle est devenue... J'ai pas un plan là. C'est moyen. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes niveau sonore. Non, je sais pas, c'est moi peut-être. Donc l'intro est devenue vraiment culte, mais c'est impressionnant de voir quand même comme elle est beaucoup plus gore que la version initiale où toutes ces scènes là où on voit le sang qui gicle, etc. Où il y a les chiens qui se désintègrent là sous le coup des balles et tout ça, il n'y a pas dans la version originale. What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Okay. Hope this is not Chris's blood. Donc alors nous suivons dans Resident Evil l'équipe des Stars, donc c'est un acronyme que je sais absolument plus ce que ça veut dire, est à la recherche, donc l'équipe Alpha des Stars, qui est à la recherche de l'équipe Bravo des Stars, qui a disparu dans la forêt près de la ville de la charmante ville de Raccoon City, qui depuis donne plus aucune nouvelle. Et donc après, dans la forêt, avoir été attaqué par des chiens et abandonné par leur hélicoptère, ils se réfugient dans ce manoir où il se passe des choses bizarres. Donc première chose, je vais prendre ça. Je ne sais absolument plus à quoi ça sert, mais on verra. Fermé de l'intérieur. Là-bas c'est fermé aussi je crois. Yes, là il faut un truc je crois. C'est fermé. Utilisez le passe-partout. J'ai pas de passe-partout moi. Non, j'ai pas de passe-partout. Enfin passe-partout. Allez alors attends. Ok, comme ça. Ça sert à quoi ça? Je ne sais plus à quoi servent les boutons. Pour courir, ouais, je sais, crois. Ouais, bon, ok, c'est bon, ça va le faire normalement. Allez, c'est parti. Oh,
Putain, vous pouvez pas savoir à quel point cette cinématique m'a fait faire des cauchemars quand j'étais gosse. Ça m'a hanté. Complètement. Alors là, je pourrais le tuer, mais normalement... Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Ça m'a évité de gaspiller quelques balles. What is it? Ou de la vie. Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Alors je reviendrai, faudra que je revienne là. Merde. Je reviendrai là parce que sur le cadavre, il y a des balles, il me semble. Il y a deux chargeurs. Oui, parce que j'ai rejoué au jeu il y a quelques jours, là, histoire de voir si ça fonctionnait. Une pendule poussiéreuse. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. On va faire le tour. Les contrôles, c'est pas simple. Hein. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Je guide les casse-coups dans les traquenards. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Okay. Bon, alors ce que je vais faire déjà, je vais retourner par là-bas. Dans le hall. Enfin, dans le hall, non, dans la salle à manger, pardon. Mais t'es pas censé être par là, lui, encore? Où est-ce qu'il allait? Enfin, bref. Putain, il y a mon PC qui se met en veille. Quelle horreur. Enfin, c'est l'écran du PC qui s'éteint, en fait. Alors, c'est Kenneth de l'équipe Bravo des Stars. À présent, il n'est que l'ombre de lui-même. Et là, hop. Magnifique. Le chargeur. Il y a vraiment des bugs au niveau du son, c'est bizarre ça. J'avais pas ça il y a quelques jours. C'est bizarre, je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être Fraps ou je sais pas. Je vais tout de suite par contre m'équiper du flingue. Attends que j'ai 2-3 balles. Ça pourrait être toujours sympa. Enfin sympa. Utile plutôt.
Alors là, avec le passe-partout, logiquement, je devrais pouvoir ouvrir là. Le passe-partout. Par contre, je ne sais absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Où suis-je? Je suis dans cette petite pièce-là, d'accord. Ouais, bah de toute façon, autant explorer, hein. J'aime pas ces moments de silence, là, c'est méga stressant. Un beau piano à queue. Tableau, là, par là. Ah, c'est là, sur le bout du bar, oui. Ah, une armoire. Est-ce que je peux la pousser? Oui, je peux. Par contre, faut peut-être que je la pousse dans l'autre sens, en fait. Attends, merde. Ah, j'ai trop du mal avec les contrôles, c'est affreux. Ah, alors là. Prendre les partitions. J'ai des partitions. Un beau piano à queue. Ouais, mais je sais, mais attends. Vérifier. Ouais, non, c'est juste les objets, je m'en fous de ça. Merde, non. Ah! Utiliser, c'est quoi si je suis utilisé? La sonate au clair de lune. Ah ouais! Et ça m'emmène où? Je ne sais pas, on verra. Le blason doré, oui. Oh putain! Attends, attends, il y avait un blason. Alors attends, je pense qu'il faut mettre le blason normal dedans maintenant. Et si je remets le blason doré dans la... Ah! Putain, j'ai vraiment du mal, hein. Je sais pas comment je vais faire pour éviter les zombies. Hein. Ça va être mission impossible, je crois. Chiant ce bug sonore là. C'est vraiment dommage. Bon, si je mets le blason doré là maintenant. Je peux bouger l'horloge. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça. Ou elle bouge toute seule, encore mieux. Je me souvenais qu'il y avait un truc comme ça. Avec l'horloge. Prendre la clé manoir. Ouais. Je sais pas trop à quoi ça va servir, on verra bien de toute façon. De toute façon, dans Resident Evil, hein, c'est pas le nombre de clés et de conneries comme ça du genre qui manque. On va sauvegarder un coup. Prendre le rebound machine. Ouais. Putain, mais les bugs de son, c'est super relou, quoi.
Bon, on va se faire les pièces une par une. Ouais, de toute façon, là, j'ai que deux portes encore à voir. Putain, c'est super relou, là, ces blocs de son. Je crois que je vais quitter le jeu, puis je vais essayer de voir d'où ça vient, parce que c'est assez immonde. Femme puisant de l'eau. Ah bah oui, il y a ça à faire, là. Faut pousser le bordel, là. Je me souviens... Non, putain de caméra fixe de merde! Enfin, je sais pas vraiment ce que je voulais que tu fasses, mais c'est pas grave. Je voulais surtout qu'elle pousse le... Voilà. C'est un plan du rez-de-chaussée. Le prendre, oui. Vous avez le plan du rez-de-chaussée. Magnifique. Ah, ben voilà. C'est quand même bien grand. C'est quand même bien grand dans le coin. Putain, non. Ah, c'est super relou, là. Je vais sauvegarder, vas-y. Je vais sauvegarder, je vais quitter, puis je vais revenir. Je sais plus comment on fait un quick save là-dedans. Je sais plus, c'est F1 je crois. Je sais plus, un truc comme ça. Probablement. Aïe 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 aïe, c'est affreux. Ouais bon allez hop. Ce que je vais faire, je vais quitter maintenant là. Je vais essayer de régler ce problème sonore, on se retrouve tout de suite. Bon, me revoilà, ça a rien changé au niveau du son, et puis en plus de ça, j'ai ma manette qui a tendance à décoder, parce que je joue avec une manette PS3 branchée sur le PC, et le port USB, je pense que ça doit venir de mon câble, déconne un peu, la manette se déconnecte, et des fois je perds complètement les contrôles. Donc c'est pas top, et je sens que ça va être super cool quand il y aura des zombies autour, si ça m'arrive en tout cas. Donc je suis revenu un peu dans cette pièce-là, parce qu'il y a d'autres trucs à faire, je pense, genre pousser ça par exemple. J'aime pas ces longs couloirs là. Oh putain, non. Non. Pas envie. On reviendra. Vous avez utilisé le passe-partout. Et ça m'emmène où cette merde? Dans un long couloir. Ouais, en fait, c'était très bien cette petite pièce là. Encore un ruban? Putain, mais c'est affreux, c'est bug, la merde! Allez, je me casse de là, j'ai pas envie qu'il me... Non, il a l'air d'être mort, c'est bizarre. Non, non, hop. Non, mais... Oh! Y'a quoi là-bas au bout? Désolé, je regarde souvent mon plan, hein. Et ok, ok, d'accord. Bon, y'a tout un tas de trucs. Ah putain! Tu as de beaux yeux, tu sais. Une plante, magnifique, une plante. J'aime les plantes, oui, oui, j'aime les plantes. De l'herbe verte. Je me demande comment ils se soignent avec, hein. À mon avis, ils doivent bien la fumer. Ça m'étonnerait pas. Là, y a quoi? C'est fermé. Une armure gravée, d'accord.
Là, c'est ouvert. Enfin non, c'est pas tout vert, vu que c'est plutôt dans des teintes de marron, mais c'est ouvert quand même. Rien d'utile. Bah ça sert à quoi que je sois venu là? Rien, dirait-on. Normalement, il n'y a pas grand-chose, on dirait, là. On va ressortir.